Tu me regardes? T'es amoureux de moi, j'ai retrouvé mes enfants. Oui. Ma vie, j'ai soif, tu me donnes un truc au frigo frais, s'il te plaît. Y'a rien? Y'a même pas d'ice tea, d'oasis, rien? Y'a même frais devant toi. Il est froid? Devant toi. Froid? Oui. Il est froid? Ouais. Ok. J'ai un truc. Elle s'est mal réveillée, ça va aller, viens faire un câlin, viens, je suis là. Maman, on a Calice. Oui, mais Calice, elle est en train de prendre le haha, ma vie. Maman, attends, t'es terminé, ma fille. Alors, ce matin, depuis ce matin avec les enfants, ça s'est passé comment? C'est très bien. C'est vrai, c'est Anna? Papa, il a été gentil avec toi aujourd'hui? Est-ce qu'il t'a nourri? Est-ce que t'as eu à manger aujourd'hui? Il t'a cuisiné comme hier, papa, ou pas? Oui. Hein, c'était bon ce que papa il a fait hier ou pas? Oui. On a mangé quoi hier? Papa il a fait quoi si tu te rappelles? Oui. Il a fait quoi papa? Je sais pas. Tu te rappelles plus? Oui. Ça va, t'as aimé hier tes escalopes gratinées et tout? Non, c'est du riz. Tu te rappelles? Ça l'a marqué hein? C'est quoi cette fusée? T'es plus notre copain, on reste plus avec toi, c'est fini. Ça y est. Hop, y a plus personne. Nous, on s'est mis de ce côté-là, on reste plus avec lui. Voilà. C'est Anna pour voir si elle a confiance en nous, on fait le jeu de la confiance. Regardez les filles. Allez, saute, je te rattrape. Saute. Ouais. C'est le jeu de la confiance. C'est bon. Tu nous fais confiance? Vas-y. Allez, saute. À moi. Saute. Ah. Par un marin? Et toi, c'est bon. Pas un marin. T'as entendu ce qu'elle t'a dit? Mais j'y vais. Ouais, tous les deux. Oui. Oh, tu vas faire quoi à Marrakech? Je vais manger. Non, bah, après, je vais nager. Après, je vais amener ma tante. Ici. Tu vas nager? Ouais. À la piscine? Ouais. Partout? Ouais. Quoi d'autre? Y'a Ratata Saïda? Il y aura Kenza aussi qui va s'occuper de toi. Oui. Tu te rappelles de Kenza? Oui. Elle va s'occuper de toi. Non. Pourquoi? C'est moi. C'est moi qui va m'occuper de toi? Ouais. Ok, Maron, ok. La piscine. La piscine. Marrakech. Ouais. Marrakech. Ouais. Marrakech. C'est Anna qui va nager comme ça parce que toi t'es trop. Petit bibi. On va vous faire une petite démo avec Alan sur les kits barbe comme d'habitude pour généralement. Tata arrive à ma rescousse parce que là faut que je sois concentrée dans les valises, dans tout ce que je dois prendre et tout. Calice, il est en crise. Alan, il a des trucs à faire au salon. C'est Anna, elle est en crise aussi. J'ai besoin de Tata. Voilà, je peux plus vivre sans elle. Non, c'était pas prévu qu'elle vienne aujourd'hui, mais du coup, je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle était dispo. J'ai dit bon, ok. Du coup, là, comme ça, je vais pouvoir faire mes petites valises, mes trousses de make-up, tout, tous mes postes, les filles. Je dois rien oublier du tout. Je boucle tout là. Pour pas prendre la route trop tard aujourd'hui avec les enfants et tout, je dois boucler aussi leur valise de rangement et tout. Voilà, Zen. J'espère juste que ça va bien se passer, Zen. Première fois de ma vie, mes poupettes, je fais pas de tenue, j'y vais. En fait, j'ai envie d'être belle pour mes vacances, mais en vrai, je sais pas si je vais être belle vu qu'il y a pas de bronzage et tout. Brushing, je les ai assassinés, ça sert à rien. La tête, j'ai envie de faire un UV avant de partir. Je vais faire un UV, une épilation. Mais je pars ce soir à Paris. Et Mariam a fini dans 30 minutes.
Tata, elle est arrivée, mes poupettes. Ah, à la rescousse. Wallah. Allez, je suis en train de faire mes trousses de make-up et tout. Ça y est, ça sent le départ. Je sens le départ. Mais chérie, vous savez, j'ai l'impression que ça va être quoi, genre, comme vacances. J'ai l'impression parce que, oh, les filles, déjà, ça va être des vacances. Je vais pas être totalement en vacances parce que je vais préparer mes poupettes. Je vais préparer mon voyage en Turquie. Du coup, bah, il va falloir que je sois connectée partout, branchée partout et tout. Alors, trousse de maquillage. On va faire 3 trousses, ok? On va faire ma trousse de maquillage, ma trousse de musc et tout. On va faire ma trousse d'hygiène. Genre les savons et tout. Dans un truc Nuxe, je sais. Faire. J'ai plein de petits produits comme ça et tout que je devrais donner à mes poupettes. C'est des cadeaux que je reçois et tout, mes poupettes. Enfin, que je reçois. Qu'on m'a offert et tout. Mais mes poupettes, je les utilise pas. Vous pensez que je devrais les utiliser, mes poupettes? Être une femme, genre. Pour moi, les femmes et tout, c'est celles qui mettent les huiles Nuxe et tout. Moi, je mets pas ça. Vous voyez quel genre de femme je parle là? Celle qui a des crèmes, caviar, la prairie pour, ses, pour son visage, tout ça là. Ces femmes là. En fait, ouais, ma mère elle était comme ça quand j'étais jeune. Pour ça, je l'observais et tout. Et c'est quoi? Rêve de miel, me dites pas que c'est le baume au miel, Nuxe. Celui qui est. Attendez. Presque, il a l'air bien. Le baume au miel, mes poupettes, je le garde. Parce que c'est un baume au miel, quoi. J'aime trop l'autre, là. Le trop beau, là. Bon, mes poupettes. Cette éponge magique, là, qu'on a utilisée pour le tuto avec Nawel. Je vous donnerai un code, mes poupettes. Sa marque, elle est incroyable. C'est la marque d'une maquilleuse. Je vous donnerai un code. Niveau lèvres, je sais que vous aimez bien celui-là quand je le mets. Vous me trouvez belle avec. Attendez, je réfléchis. Franchement, la vérité, Sakina, peut-être ça va pas te plaire, mon bébé, mais grave, 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 surcoté, genre. Genre, grave surcoté, genre. Genre, carrément, méga surcoté. Ça m'a marqué, carrément. Attendez, mes poupettes. Ça, ok. Je prends quand même le plus foncé. Hop. Je réfléchis si j'ai... Ah, les highlighters de ma poupette. J'allais acheter les Dior, après, je me suis dit, bon, c'est ma poupette qui me les a offert. C'est quand même symbolique. Oh là là, cette brume, elle est incroyable. Elle est incroyable, cette brume. Je la mange. Je la mange, mes poupettes. Donc, tous les trucs Nuxe et tout, on enlève. Je vais mettre ma petite beauté, attendez. Valise, mes poupettes, c'est une caverne. C'est une caverne. Ici, à la partie vêtements, ici, à la partie cata. À mes chaussures. Pour voir la valise des enfants, les. Léa. Oui. Bah, où je qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, nous cuisiner, tata, les filles. Un des djèges et kifta. Oui, bah, tata, frites avec les poulets, avec. Pois chiches. Pois chiches, j'ai pas. Quoi? Non. La Gilben. Gilben. Ah, le petit pois. Oui, le petit pois. Regarde. Le frigo, le congélo, le chauffeur, chauffer au coach et les caïnes. Et il y a un bon plat, c'est bon? Et Allah. Qu'est-ce que tu as dit, tata? Je vais te donner les filles, nourriture algérienne. Allons voir. Là, on a un gros douais. Regarde, Djej. Les haricots, oui. Rad de l'oignon, psal. Oui, j'ai un de l'oignon. Oui, j'ai un de l'oignon. Oui, oui. Da ou batata. Oui, ou batata, oui. D'accord. Comment tata va cuisiner, les filles? Waha! J'ai rien, parce que là, pour l'instant, c'est un bon début, là. Dili, hana, tata. Je laisse Mkhla. Ok, avaler Mkhla, c'est-à-dire avaler ses grillé un peu. Oui. Après, ça? Après, je mets tous les épices. Où? Le ici? Dans, oui. Ouais, ok. Sur le poulet. Le poulet, oui. Ok. Après, je... L'eau, elle sert à quoi, là? Pour la sauce. Pour la sauce, oui. Ok, je sais rien? Non. Non, je rigole, voilà. Non, t'as que mec. Mes poupettes, alors, la sauce... Je rigole, tata, voilà. Oui. Les filles, elle a mis, tata, de l'eau avec de l'huile ici. Ce sera pour la sauce. Après, elle va laisser un peu. Tata, elle a mis le kebone. Tomate. Bien, un peu de sel aussi. Donc là, on va mettre galoulé. Et Rani,
connais bien maman, enfin bien ta tante elle et tout. Oui. En fait, ma chérie, moi je la préserve, même si elle s'en fout et tout. C'est bien qu'elle parle français à corriger même ça. La maître, fais, je te dirai elle parle bien, elle a de la traduction. Les... Oh, la nuit, ta mère, et elle a, il y a une poupette, elle a reconnu sa voix, elle la connaît. Ah ouais. Elle lui a dit, t'es chez poupette. Mmh. Ah, et elle passe normal. Oh, non. Je vais la cacher. Oh, je vais la cacher. Je vais te cacher. Non, non. Attends, un cœur. Un cœur. Oh, maman, tu vois. Oh, non, t'inquiète pas. Elle me tue, elle me tue. Elle venait de galoler quoi, Araké ou Wahrania ou Lella? Wah. Wah, Wahran. Descends, on ne voit plus trop là, tu fais quoi? Mauvaise la journée, là, t'étais où dans ta. Tata va mettre les pommes de terre de poupette. Énorme code aujourd'hui sur elle. 2-3 petites tomates cerises, un peu de salade au frigo. Vous savez, des trucs qui vont moisir vu qu'on va partir et tout. Elle a fait une petite salade trop mignonne. Au service, Ikea. T'as tout fini? Apparemment, c'est sunna de manger les fruits avant le repas. Les filles. Moi, je nettoie la table, je mets la table, les filles. Les filles. La table, tout le monde. Le pain, le pain. Bien manger, t'as dit. Ah, je veux. Bismillah. Tata, elle aura 50 ans, Inch'Allah, le 7 mars. On va lui faire une surprise de qualité. Le 7 mars. Bah, ça va être son anniversaire à Tata. On va faire joyeux anniversaire. Tata, Rajel. Brété, ouchno, Jazairi, marocain. L'Ikaïn. L'Ikaïn, parce que musulman obligé. Moi, il s'est un homme qui m'a dit qu'il s'est un homme. Ouais, l'Ikaïn est un homme. Gentil, quelqu'un qui respecte. Ok. Au l'âge, Chal. Moi, il m'a dit qu'il s'est un homme. Il s'est un homme. Ma brété, je suis jeune, 20 ans ou là. Non, non. Ouais. 50 minimum. 50 من الفوق مام كيتقولي لا يقول لك اسكن قبل ولا كاين كبار دوكا ما قبلوش ب 50 اي والله واحد الجن يقبل لك سي فري الرجال ما بيناش فيهم بلي راهم كبار كاين كاين اللي يبغي العقليه ثقيله تكون رزينه تكون مليح انت راكي حاجه مزيان تعرفي طيبي تويا لا الحمد لله نسلك كلشي دلك هذه خطره تريد غادي نلقى لك الراجل سي سيو Arrête ça tout de suite le chat. Il est en train de l'attaquer les filles. Et le chat. Maman t'as pas éduqué comme ça le chat. Tata elle veut se marier. Elle veut un mec et tout. S'il te plaît. Wallah s'il te plaît. J'ai pas envie qu'on la voit. Attention. Est-ce que tu peux me sortir les TikTok tout de suite de Ahmed s'il te plaît. Rajel. Andy tiens prends ton fils. C'est la surprise Tata. Nous voulons les couper de Rajel. Mlih sné. Ah quelle brété. Alan brête joué. Pardon ma chérie, hey, on a trop rigolé, tata t'as que t'es yak. Hey, elle est morte de rire. Hey, quand j'ai montré les. Hey, quand j'ai montré les petits morpions de 20 ans. Hey, donc, ça pourrait être mes enfants. Hey, j'en peux. Ouais. Ouais, elle a 2000. Oui, poupette. Ne vous associez pas à ces personnages, mes poupettes. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Non, je rigole, mes poupettes.
J'ai rigolé, mes poupettes. En gros, je sais pas s'ils ont des meufs ou pas. C'est des potes à Alan, franchement. C'est juste, je voulais trop charrier Alan. Et eux, quand ils vont voir les stories, ça va être trop marrant. Chérie, bah voilà, je préfère ça. Mes poupettes, juste moi, le bonheur des gens fait mon bonheur. Je préfère ça. Et c'est pas grave. Je trouverai quelqu'un d'autre, je m'en fous, mes poupettes. Mais je veux trop qu'elles soient épanouies, genre. En gros, ma chérie, Tata veut se marier. Je les ai montrés à Tata sur TikTok, j'ai dit qu'il cherchait une femme. Et on était morts de rire. Bref, c'était trop marrant, faut comprendre. Genre, c'était trop marrant, mon petit cas. Poupette Ahmed, en vrai de vrai, pour pas le mettre dans une sauce, vraiment, je le connais, je pense pas qu'il ait promis quelque chose à quelqu'un, c'est juste, voilà, il est très bon délire, enfin voilà, il a plein de poupettes qui l'ajoutent et tout, parce qu'elle le trouve très beau et tout, mais lui, il est pas en mode, pas, je vais pas vous dire pas en mode sérieux, parce que voilà, mais voilà, il est plus, voilà, il parle un peu à tout le monde, tranquille, genre, vraiment. Mais non, en fait, faut connaître Ahmed pour savoir que non. En fait, déjà, lui, il prend pas au sérieux. Même les poupettes, je sais très bien qu'elles prennent pas au sérieux. Elles connaissent Ahmed, les poupettes. Il est comme ça, genre, dans ses lives, il rigole, il dit qu'il veut des meufs. Il s'en fout, mes poupettes, genre. Alan, il essaie d'appeler Ahmed pour le prévenir de ce qui est en train de se passer. Al-Hub, dès qu'il a abrité, dès. Wallah. Parce que là, Ahmed, les filles. Mais là, mais. Jake, en gros, il prend pas au sérieux, même les poupettes, non, genre. Sérieux, même ouais. Elle, en gros. C'est en... Voilà, en gros, il y a. Ouais, c'est faux. Il y a des poupettes, c'est des menteuses. Il y a des poupettes, c'est des menteuses. Par contre, c'est interdit de dire ça pour Ahmed, en fait. Mais très bon délire, franchement. À part ça. Hein, Tata, ça y est? Ça y est, tu as. Ça y est, Brité, tu dois ma Brité, je me déroge, je suis HM, mamie, je suis trop et tout. T'as su? Poupettes, tout à l'heure, vos sondages, bon, je me suis un peu calmée, ça me fait du bien de rigoler un petit peu, je suis redescendue un peu, toujours ça, je redescends vite. Vos sondages, tout à l'heure, ça m'a énormément touchée, sachez que ça m'a énormément touchée, parce que tout le monde me disait toujours, mais t'as peur de quoi? Bon là, je snap, parce que là, franchement, là, je veux snapper, là. En gros, c'est pas, vous savez, mes poupettes, c'est pas en mode, faut que je fasse du contenu et tout, là, j'ai vraiment des choses à vous raconter et tout, je me disais, est-ce que mes poupettes, elles sont toujours là, si... Je leur donne moins, si je leur montre moins. Est-ce qu'elles seront déçues? Est-ce que... Et en fait, vos réponses, elles m'ont totalement choquée. Je me suis rendu compte qu'en fait, les seules personnes qui partiront, ce ne sont pas des poupettes, en fait. Et je me dis, en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui faire un trait avec ma communauté? Enfin, les vraies poupettes qui sont là, au moins, je garde que des good vibes et tout. Et celles, du coup, qui trouveront que je suis ennuyante, nulle, etc. Bah, c'est des femmes qui ne sont pas attachées à moi, quoi. Et puis, c'est tout. Avant, je faisais ça, mon petit amour. Avant, je faisais ça. J'avais des poupettes. Wow, ça fait tellement longtemps. Par contre, elles étaient vraiment pas nombreuses. Du coup, on pouvait faire des groupes et tout. Mais là, je pourrais jamais faire ça. Ça serait disproportionné. Purée, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Mais en gros, il y a trop de poupettes. Ce serait injuste pour celles qui sont pas dedans et tout ça. En fait, je suis en train de trouver une solution. Apparemment, il faut créer un groupe pour faire une discussion commune. Moi, j'ai trop envie de parler avec vous en chat. Oui, j'attends qu'il me réponde. Le docteur, il veut savoir où vous avez mal où. T'as mal où? Ici. Où? Pourquoi t'as mal au ventre? Parce que j'ai mangé du pain. Parce que t'as mangé du pain? Ouais. Tu veux qu'il fasse quoi, le docteur?
après. Il écoute quoi? Tu veux qu'il écoute quoi? Une étoile. Le cœur? Oui. Quoi d'autre? C'est bon. Les oreilles. Ok, quoi d'autre? Ma piqûre. La piqûre? Oui. Ok, quoi d'autre? Pas la piqûre. Pas la piqûre? Oui. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que t'as fait à Sana? Apparemment, t'as griffé Sana, la beauté du monde, là, t'es trop beau. Qu'est-ce que t'as fait, Sana? Viens me dire ce qu'il t'a fait tout de suite, viens. Non, qu'est-ce que t'as fait à Sana, la beauté du monde? Il a fait trop ça. Le chat. Hé hey. Attends-tu ça. Attends-tu le chat. Il est trop joué avec maman comme ça. Il est le chat, il est le chat, la poupette. C'est décidé, je m'en vais. Pour moi, le prix. On te met pas une robe. On te met pas une robe, t'es un garçon. T'es un garçon. Libéré. Libéré. Délivré. Je ne mentirai plus jamais. Libéré depuis longtemps. Délivré. Pas les filles, c'est la dernière fois que je la vois avant de partir au Maroc. Je la revois dans une semaine, Inch'Allah. J'ai trop hâte. J'ai trop. Je rentre les filles, le linge il est à jour, ça sent bon, c'est. Ça sent le linge, la lessive. J'aime trop. Le salon il est rangé, tout est rangé. C'est. Là, viens voir les poupettes, elles t'attendent. Vite, vite, vite. Dépêche-toi, elles veulent le bonne nuit, les poupettes. Elles ont. Oui, bah oui, tu fais vite. Elles ont dit sinon elles dorment pas. Elles ont dit. Elles veulent que tu leur dises. Bonne nuit, les poupettes. C'est Anna, je te filme. Elles ont dit, elles veulent que tu leur dises bonne nuit, les poupettes. Attends. Vite, elles t'attendent, ma vie. Okay. Dis-leur, viens. C'est bon, je te filme. C'est bon, tu peux le dire. Encore? Bon, les poupées. C'est bon?
fille, elle a dormi sur le canapé avec son père, sans moi. Mon petit cœur, j'ai dormi avec mon baloulou toute seule. Ma vie. C'est Anna. Il est 11h30, ça y est. On va à l'avion, ma fille. Mon amour. Bon, mais pour pas être saison, j'ai tout fait à 11h47. J'ai réservé l'hôtel pour ce soir. Donc, j'ai pris l'hôtel à côté de l'aéroport. J'ai tout fait là. J'ai booké mes restos aujourd'hui. Donc, j'ai deux restos. Les valises, elles sont prêtes. Là, on prend un petit déjeuner. On se prépare. Je vais faire vite faire un bisou à ma mère et on y va. On va passer la journée sur Paris. Mon dernier resto ce soir, il est à 19h. Faut que je rentre max pour 22h. Et comme ça, je dors. Et mon billet demain, il est le matin. Donc, voilà mes poupettes. Le programme du jour. Donc là, je m'active. Déjà, j'attends le lait en Uber Eats car il n'y a plus de lait à la maison. Et je vais déjeuner. Ah, Mimi, il a vécu comment ma story? Il a rigolé. Il a rigolé, ça va. On va où demain? Dis au tata, on va où demain? On va à Marrakech. On va faire quoi là-bas? On va faire quoi à Marrakech? On va nager. On va nager où? Où? Dans la? Dans la piscine. Oui. Ouais. Oh. Ma vie s'est réveillée. Mon amour, oh non.